Et salutations, on est parti pour une nouvelle découverte sur Cybercorp. Du coup, un jeu en vue du dessus qui a l'air assez cool. C'est un jeu encore qu'on m'a proposé via Keymailer. Et ça avait l'air sympa. J'aime bien les jeux en vue du dessus généralement, donc je me suis dit pourquoi pas essayer, voir ce que ça donne. Je crois aussi que c'est un jeu qui joue, enfin qui est jouable en coop. Donc voilà, si jamais. C'est un peu fort. J'essaie de baisser, de régler le son, mais peut-être pas assez. Éliminer les cibles. Ok. On déglingue, on déglingue. Ah, on a un timing de rechargement. So fast. Oh bah. Oh le bâtard. C'est quoi le F? Ah vas-y, c'est horrible. Ah, on peut. Oh la vache. Mais comment j'esquive en vrai? Attends. Ça aurait été bien peut-être un tuto. Interact. Use skill. Swap weapon. Slide. Ah, c'est espace. Ah, c'est horrible, espace. On va mettre ça sur V. Tilt down. Mini attaque. Ok. Fast reload mastiel. Ok. Ah la vache. Je vais crever là. Je crois qu'en fait on est obligé. Je crois que c'est fait exprès en fait. Ok, on joue en VR en fait. Ah la vache. On dirait qu'il t'attendait. C'est mauvais signe. Tu devrais te dépêcher de retourner au rendez-vous au deal d'armes, quoi. C'est mauvais signe que j'ai pas d'armes. Où sont passées mes flingues? Si j'en crois mes données, tu as utilisé le service Cybercorp d'armes. T'aurais pas dû le récupérer après qu'il soit déchargé. Je l'ai laissé keep safe, c'est quoi? Je sais pas. Je peux pas l'utiliser. Tu travailles maintenant dans un département secret. Tu n'as pas le droit d'utiliser des armes qui ne peuvent pas être tracées et liées à l'entreprise. Je garderai ça en tête pour le futur. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Les taper avec mes poings. Tu devrais toujours avoir ton épée. Utilise-la pour passer, enfin, pour passer les thugs du syndicat. La cité en est infestée. Ils vont sûrement utiliser des armes du marché noir. Tu peux leur prendre si tu trouves quelque chose qui te plaît. Ok, d'accord. Donc on y va à l'épée, quoi. V slider, shift ou blink. Attends. Il y a un recharge. Ah ouais, il y a un cooldown. J'arrive, monsieur. Ok. F to open. Ah, on les repousse, ok. V slider. J'ai ramassé son arme là.
Attendez juste, j'aimerais voir dans les graphiques. Ah, on est FPS Lodge, c'est peut-être ça. Il y a un truc qui me donne. Je sais pas, qui me donne un peu mal au cœur. Je sais pas c'est quoi. Je pensais que c'était la motion blur, je l'ai enlevé. C'est quoi Bloom? Sinon j'enlève. Hein. Muzzle flashlight. Bokeh. Ambiante occlusion. Je connais pas. Sinon on enlève tout. Hein. Ah ouais, on peut se mettre à plus en FPS, non? 144. De toute façon, ouais, de toute façon, on voit que à 60, donc en vrai, autant mettre 60. C'est quoi ça? Sois prudent, il n'y a plus de. Il n'y a plus juste que des thugs, ces ennemis sont beaucoup plus dangereux. Apparemment, leur tâche est de distraire la police. Et ils le font bien. Il n'y a pas de. Quoi? Ah oui, y a pas de. La police parle pas du tout du deal qui est en train de se passer, quoi. Ils ont besoin d'être éliminés. Ok, j'y vais. Tiens, voilà. Le pistolet que tu viens ramasser n'a pas besoin d'être identifié, tu peux l'utiliser. C'est pas un pistolet fait par CyberCorp. Il devrait avoir des identifiants à l'intérieur. Ouais, ça devrait. Donne-moi une seconde, je vais le scanner. C'est très mauvais. Me laisse pas en suspense comme ça. Ils ont hacké nos armes. Et ils les vendent sur le marché noir. On a besoin de les arrêter. Ok. L'entreprise de bras cassés, quoi. Tiens, je te tire dessus. Pourquoi je peux pas aller là? Ah putain, vas-y, il y avait un mec, j'avais pas vu. Aveugle man. C'est dommage qu'on puisse pas les enchaîner, ça ferait plus stylé quoi. F pour utiliser l'élévateur. Il fallait peut-être que j'aille dessus avant, non? Mais je croyais qu'il y avait un mur. Mais le 11, du coup, en vrai, j'ai balles infinies ou pas? C'est ça que je me demande. Ah, yes, un calibre plus large. On va pouvoir s'amuser. Tu vas avoir besoin de cette arme. Je détecte un gros groupe d'ennemis juste devant. C'est bien, j'avais justement besoin d'essayer mon nouveau jouet. Comment on change d'arme? Ah oui, c'est A. J'ai pas beaucoup plus de balles, par contre, hein. Au sport. Ah, on peut renvoyer les balles. Merde.
J'ai l'impression qu'on a balle infinie en fait une fois qu'on ramasse l'arme. Just to shoot. Oh la vache. Ça sent la grosse vague des nuits. Au corps à corps, ils peuvent rien faire en fait si je spamme mon arme. Parce que du coup, je renvoie les balles. Ah, je prends quand même des dégâts. Oh la vache. Ah, je veux me faire tirer dessus pendant que je fais l'animation. Ah, quand... Pourquoi tu peux pas switch d'arme quand, quand t'as pas... Quand t'as plus de balles? Ça manque d'une touche pour courir quand même. On peut se téléporter, mais ça a un cooldown quand même. C'est le dealer d'armes. Il se barre. Est-ce que je peux l'attraper? On s'occupe du dealer plus tard. Sa tâche actuellement, c'est d'intercepter le colis d'armes. Ok. Cette caisse contient les armes volées. J'ai déjà appelé des renforts. Protège la caisse jusqu'à ce qu'ils arrivent. Est-ce que je peux prendre quelque chose parmi les armes? Tu peux utiliser ce que tu veux. Ah ouais. On se fait pas chier. Oh la vache. On a quoi du coup? Comment je fais pour... Espace, inventaire. Choisis un emplacement d'arme pour remplacer si l'arme est meilleure. Ok. Alors attends. Voici la liste des objets par laquelle on peut la remplacer du coup. Crusader, Judas, Archangel, Holy Fire. Bah go celui-là. Hein. C'est quoi le 2 énergie? On a une arme ici aussi. Everblasting. C'est quoi les trucs? Rare quality. On sait pas pour l'instant. LCTRL for second skill. Ah, ça pose une tourelle. Ah, mais c'est un shotgun. Et je peux le réutiliser quand mon sort. Je me suis coincé là.
LCDRL. Et ils sont tellement tanky ceux-là. Beau travail. Ça me manquait ce travail. Ça fait du bien de revenir. Je peux te déconnecter de ta sainte. Nos spécialistes ramèneront ton truc, ok. Est-ce que... Salut Yato, ça va? Oh, ça va tranquille, ça va tranquille. Mais le jeu, ça me donne un peu des mots... Il y a des jeux comme ça qui me font ça. Je sais pas de quoi ça vient. Du coup, on va peut-être pas en faire non plus giga longtemps. On va essayer d'en faire un peu plus quand même, mais... On s'occupe du dealer plus tard. Mais attends, mais what? Bon, les dialogues, on va les passer. Ah, j'aurais peut-être pas dû parce que du coup, je sais pas ce que je dois faire. Quel con. Ok, la map, mission 2. Alors, qu'est-ce qu'on a en vrai? Du coup, on a un personnage avec du loot. Ok. On a nos stats. Armure et tout. On pourra avoir des cartes, a priori. Je joue en multijoueur aussi. Il y a du monde en ligne. Je crois que le jeu est déjà sorti. Online mode région, offline, pro offline auto, switch online mode, open party. Ah mais faut que je choisisse la mission, non? Il va y avoir personne qui va jouer la deuxième mission. Ou alors je vais tomber avec des mecs qui ont déjà fini le jeu. Eh tu vois, on peut jouer jusqu'à 3 du coup je pense. Là t'as les icônes. Et du coup en gros je peux lancer tout de suite. Ou attendre qu'il y ait des gens. Difficulté normale. Bon, je lance. On va pas attendre 10 ans non plus. Oui, Laura. Je sais pas ce que c'est. La porte est bloquée. Pourquoi je peux pas? Ah putain, il y a un truc. Il faut que je fasse quoi? Faut que je blink? Ah, ou faut que je tire juste? Tiens. C'est quoi ça? Ah, je croyais que je pouvais rentrer. Qui es-tu?
Je sors de chez moi. Est-ce que votre informatrice est une femme? Quoi? Il n'y a rien de mentionné à propos de ça dans le dossier. Ça n'a pas d'importance. Attrape-la et barre-toi. Je viens de Cybercorp. Tu as été balancé. Viens avec moi si tu veux rester en vie. Quoi? Ah merde. Donne-moi une seconde. J'attrape mes affaires. Comment c'est possible? Et on va où maintenant? C'est eux. Capturer la fille vivante. Komodo voulait avoir affaire avec elle. Ok. J'ai dit que je. Non, je te donne des gros coups de shotgun. Elle s'est barrée la meuf. Ah mais il y a une minimap aussi. Tiens. Moi je me barre sans elle hein. Ah mais il y a des mecs derrière. Mais d'où ils. Comment ça ils viennent de derrière? Je trouve quand même que j'ai l'impression que le jeu il se veut dynamique, mais ça manque de quelque chose pour le rendre vraiment dynamique, tu vois. Pourquoi elle se met devant elle? Ah, j'ai pas rechargé du coup. Ok, mission pour enfin. En vrai, je sais pas. Ouais, c'est. Genre, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un truc fluide. Mais, genre, avec les combos et tout, tu vois. Mais je sais pas, au final, en fait, tu spams. Et il n'y a pas de, y a pas un giga intérêt. C'est peut-être aussi à cause des ennemis qui. En fait, soit les ennemis te foncent dessus, soit ils te tirent dessus. Mais je sais pas, t'as pas d'interaction. T'as pas un truc en mode. Oh, faut. Comme l'introduction, t'avais des grenades et tout, t'avais peut-être un peu plus d'intérêt. Mais même là, en fait, tu te faisais spammer, du coup, tu pouvais pas esquiver en boucle. Donc, je sais pas. Peut-être le problème, c'est que l'esquive, elle est. Elle est. Genre, c'est une esquive de. Qui met du temps à se recharger, quoi. Ça manque de knockback et d'animation bien visible. Ouais, peut-être aussi, en vrai, pour donner plus d'effet. Je pense que ça. C'est vrai que le feeling sur les armes est pas fou non plus, quoi. Et je pense que ça manque aussi, peut-être. Genre,
Il y a une musique, tu vois, qu'on entend, mais elle n'est pas assez forte et elle devrait être valorisée en combat parce que la musique est bonne quand même, je trouve. Mais juste, elle n'est pas mise en avant dans les combats alors que ça devrait. Ça devrait être le cas. Vas-y, je pense qu'on va se faire une dernière mission puis on va arrêter parce que j'avoue que moi ça m'emballe pas des masses. Mais je sais pas. Je pense. Après, peut-être à plusieurs, ça peut être sympa et tout, mais je sais pas. Ah bah je suis mort. Super. Et comment j'esquive les mines? Ah mais fallait que je passe par là. Peut-être aussi, après ça c'est plus un avis perso, mais le fait de mettre des dialogues dans un jeu d'action comme ça, je trouve ça va pas forcément bien ensemble, tu vois. Moi, c'est un jeu qui me fait penser à Sifu, mais en moins bien exécuté, tu vois. Genre, Sifu, c'est un jeu qui se veut dynamique et tout, tu vois. Et ça remplit bien ce job, tu vois. Mais du coup, la façon dont c'est fait, tu vois, c'est mieux fait, quoi. C'est comme les combos, si on pouvait enchaîner des combos, ça pourrait être sympa, tu vois. Après, ça demande sûrement plus de travail sur les animations, quoi. Parce que là, en vrai, je sais pas, c'est. C'est brut de décoffrage, quoi, on va dire. Je sais pas si le jeu est en early access ou pas. Mais là, au final, je fais juste des petits tours et puis je tire, je recharge, je tire, je recharge. C'est pas. Oh, je peux pas lui tirer dessus. Ça va encore les dialogues. Dans Hades, c'est pas gênant. Ouais, mais ça dépend à quel moment ils apparaissent, quoi. En fait, dans Hades, le truc, c'est t'as des salles où t'as des dialogues. Mais généralement, t'as pas de salles où t'as un combat et des dialogues en même temps, quoi. Enfin. Ou alors, c'est. Enfin, je sais pas. Tu vois, c'est plus séquencé que. Là, t'as pas vraiment de salles, t'as pas de chargement ou quoi, tu vois. Du coup, en fait, à tout moment, tu peux avoir un dialogue. Et des ennemis quasiment en même temps ou quoi. Enfin, je sais pas. Faut que ce soit mieux séparé, je trouve. Moi, je me fais éclater. Je me fais éclater. Mais j'aime pas cette arme, en fait. Le shotgun, on peut changer d'arme en cours de truc ou pas? Je crois que oui. Ah ouais, ça c'est cool quand même qu'on puisse faire ça. On pourrait en essayer une autre. Ça c'est un shotgun encore. Ah merde. Ah non, ça c'est chiant par contre. Et laisse-moi tranquille. Ah, c'est mieux avec cette arme. Le shotgun, t'as la moitié des balles qui partent dans le vent à cause de la dispersion. C'est chiant.
Merde. C'est pareil, le système de combo, je pense que c'est censé pour être en mode, faut vraiment que ce soit un défouloir, tu vois. Mais le fait que tu puisses pas enchaîner les trucs, c'est un peu bizarre. Je me suis fait coincer là. Attends, du coup, je suis mort 3 fois et je peux... Ouais, bon. Ok. Bon, voilà, c'est... On aura fait la découverte du jeu quand même. Je pense que ça peut peut-être plaire quand même à certains. Je sais pas. À tenter peut-être aussi en multi, voir ce que ça donne. Après le jeu, tu vois, tu peux mettre des feedbacks aussi. Peut-être que... Je sais pas s'il est en early access ou pas. C'est bizarre, on peut le wishlist, mais il est déjà sorti en fait. J'ai regardé l'autre fois. Ouais, il est en early access. Il est en early access. Ok. Bon. Bah, j'espère quand même que ça vous a plu comme découverte. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.